Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans les oracles de Béa pour le tirage de la semaine du 3 mai. Alors pour cette semaine, j'ai choisi l'oracle du troisième œil et l'oracle des 13 pierres. Avec l'oracle du troisième œil, je vais juste procéder à une simple coupe pour voir quels sont les yeux qui vont nous regarder pour la semaine. Alors deux yeux, l'œil de l'amour, ici, et l'œil de la fragilité. Donc un œil sur fond bleu, un œil sur fond rose. Parfait équilibre entre la créativité, l'émotivité, la sensibilité, mais à la fois le démarrage des projets, l'assurance des sentiments, l'assurance dans le travail, avec un parfait équilibre entre le rose et le bleu. Alors dans cette coupe, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Avec l'œil de l'amour, on est plutôt sur un amour qui va se transformer autour de nous. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir de l'empathie, on va avoir de la sympathie pour toutes les personnes qui vont être dans notre entourage, soit dans notre travail, soit dans notre vie affective. Avec l'œil de l'amour, c'est vraiment une ouverture du cœur qui est en train de se mettre en place. Donc pour cette semaine, vous allez avoir cette joie, cette envie de communiquer, ce sentiment d'être n'être pas séparé de l'autre, mais qui va vraiment vous ouvrir des perspectives. Vous allez être également dans tout ce qui est association ou aide à la personne ou vraiment bien-être autour de vous pour divulguer, donner de l'amour, mais vraiment de façon tout à fait gratuite, de bonne volonté. Donc c'est une très très jolie carte. C'est une carte également qui invite aux connaissances nouvelles et qui nous invite à aller vers l'extérieur. Donc on est sur une très jolie carte avec l'amour. Qu'est-ce que nous dit l'œil de la fragilité? L'œil de la fragilité nous indique que le chemin n'a pas été non plus toujours facile et toujours droit. C'est-à-dire que le chemin est un petit peu chaotique et fait de haut et de bas. Donc l'œil de la fragilité nous invite également à nous renforcer et à renforcer cette fragilité. Bien sûr, elle est existante, mais on la transcende, on la transmute justement en force pour que le chemin devienne vraiment quelque chose de renforcé dans tous les plans et surtout professionnellement et affectivement. Avec l'œil de la fragilité, on met tout en place et tout en œuvre pour y arriver. Même si ça a été un peu chaotique, on va mettre tout en œuvre pour arriver à nos fins. Voilà, donc vous avez quand même deux très beaux yeux pour votre semaine qui vont illuminer votre semaine. Si je rajoute à ce tirage une pierre pour votre semaine, eh bien, ce sera la citrine. Et comme on le sait, la citrine favorise l'entrepreneuriat, favorise les affaires commerciales ou en tout cas nous aide beaucoup professionnellement puisqu'elle amène beaucoup de lumière et de clarté dans toutes nos affaires. Je vous souhaite écouter une très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.